Salut tout le monde, on est de retour sur My Friend Pedro pour une nouvelle vidéo. On est toujours en train de combattre le gang des Pères Noël, hein, c'est pas terminé. Je l'ai appelé le gang des Pères Noël sur la dernière vidéo, je me suis dit que, voilà, que ça passait plutôt bien. Donc nous avons un fusil à pompe, voilà, qui est plutôt intéressante, qu'on a découvert la dernière fois, et qui, franchement, fait le café. Alors ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué, donc j'espère que j'ai pas trop galéré, parce que là on commence à arriver sur des levels un peu plus compliqués. C'est un bon métier, chasseur de primes. Je me demande s'ils ont des tickets restaurants. Ah, c'est vrai que c'est des chasseurs de primes. Yes. Yes, yes, yes. Alors, c'est parti. On y va. Salut. Attends, il est même pas mort. Oulala, ils ont l'air d'être plus solides que d'habitude. D'habitude, je les tue assez, assez facilement. Salut. Oh, ça va. On est tranquille. Bon, on va jouer qu'au fusil à pompe, hein, parce que j'adore cette arme, clairement. Je la trouve beaucoup trop forte. Alors là, on va essayer d'esquiver. Voilà, on esquive son tir. Yes. Ah bah la reprise, ouais, plutôt bien la reprise. Je me suis pas encore fait toucher. Hein. Ouais, ouais, bon, ça va, ça... Oh, je pense que je vais parler trop vite. Voilà. Hop là, on fait une petite esquive. Voilà, et on le termine. Alors, faut pas oublier qu'on peut taper au corps à corps. Hein. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'oublie très souvent. Salut. Adieu. Qu'est-ce que j'adore le level design. Les levels sont vraiment très très bien foutus à chaque fois. En fait c'est intuitif. Je peux le tuer là? Attendez mais on peut pas. Ah on peut pas descendre. À quoi ça sert du coup là? What the fuck? Attendez. Ah non attendez, il faut péter ça d'abord. Ok, j'avais pas vu. Et c'est parti. Oh. Alors là par contre j'y étais vraiment en mode YOLO. Hein. Salut. Salut. Oh, il y a des explosifs là. Tiens. Allez. Allez, dégage. C'est rare que j'utilise les objets, mais quand je vois des explosifs, j'hésite pas. Hein. Adieu. Lui, on va le tuer au corps à corps. Salut. Bah alors, on est tombé. Oh, je perds des points de vie bêtement. Hein. Je suis comme très mauvais. Hein. Parce que je veux me presser, je prends pas mon temps. Je prends pas mon temps d'analyser ce qui se passe un peu là. Salut! Allez! Yes! Ok, il y en a encore un autre en haut. On va utiliser le décor, bien entendu. Donc, il y a la possibilité d'utiliser le décor maintenant. Ça aussi, on l'a découvert dans le. Il est mort ou pas? Dans le dernier épisode? Ouais, il a l'air d'être mort. On dirait qu'il est encore. C'est les nerfs! C'est les nerfs qui réagissent encore, c'est tout à fait normal. Ah, il n'y a pas d'ennemis en haut par hasard? On dirait qu'il y a un passage en haut, mais non. Mais non, il n'y a pas de passage. Petite esquive parce qu'il va tirer. Non mais putain, elle a mis du temps à le tuer. Mais il a pas tiré du tout, donc ça va. Mais il est sérieux lui. Petite esquive. Ok. Ouais, bon, quand on est un peu loin, le fusil à pompe, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Oh merde. Oh merde. Oh la poêle. Alors normalement je fais ça et je tire dedans. C'est trop bien. C'est trop bien foutu la poêle. Bon, on a l'impression d'être très très bon. On a l'impression d'utiliser le bon angle. Mais en fait c'est pas nous hein. Le jeu voilà, il fait tout automatiquement et on a rien à faire. Là c'est pareil, regardez, on va tirer sur la poêle. Alors il faudrait la mettre plus haute. Attendez, on va la balancer là. Hop, et là je tire dedans. On va refaire pareil. Voilà, oh ça tire directement sur les ennemis. Hein. Y a rien de très compliqué en soi. Oh, on va réutiliser le skate. Salut. Merde. Yes. Toi, t'es mort. Oh merde. Petite roulade. Bon, j'ai abandonné le skate. Hein. On va continuer à pied. Ah mais non, 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 on va le garder. Il y a encore des rampes, donc c'est qu'on doit encore l'utiliser. Il est où? Il est là. Non mais, c'est bon. C'est tellement stylé en vrai. Oh, salut! Excellent. Excellent, mon gars. Alors là, il y a un mec là-bas. Attendez, il y a des mecs en dessous. Il y a un mec là-bas, donc là, on va esquiver ses balles. On va recharger aussi. Alors lui, il faudrait pouvoir le tuer. Alors ce qui est chiant avec le fusil à pompe, c'est qu'on peut pas, voilà, toucher plusieurs ennemis
En même temps, c'est un peu le. Voilà, le. L'inconvénient. L'inconvénient de l'arme. C'est qu'on peut pas tirer sur. Oh, il y a des explosifs là. Trop bien. Qu'on peut pas tirer sur deux ennemis à la fois. Donc ça peut être un peu emmerdant quand il y a beaucoup d'ennemis. Genre là, il y a vraiment pas mal d'ennemis. Donc faut esquiver, hein. Il faut faire des esquives. Je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est très drôle. On va balancer le. Regardez, le corps. Regardez sur lui. Allez. Boum. Il est pas mort, hein. Il est pas mort, mais c'est déjà pas mal. Petite esquive. Oh là là, incroyable. Alors quand on balance les corps, ça ne tue pas les ennemis, mais ça les déstabilise un peu. C'est pas très fort. Il est vraiment trop bien ce jeu, encore une fois. Ouais, je vous le redis. Je ne suis pas payé, hein, loin de là. J'aimerais bien être payé pour jouer à des jeux vidéo. Enfin, je suis payé par la pub, mais je suis pas payé par les éditeurs. On propose des moments, des petits OPSP, mais malheureusement les jeux sont pas très intéressants. C'est pour ça que je fais rarement des OPSP. Ça m'est arrivé d'en faire, j'ai dû en faire une ou deux sur la chaîne. Et c'est il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et ouais, c'est pas des jeux incroyables. Hein. Salut. Ah ouais, du coup on pète la vitre. Ah, tellement stylé. Ah, il est en train de me viser quand même. Hein. Il a voulu me tirer dessus. Oh merde. Oh merde. On court. Pas de problème. Voilà. La petite banane qui apparaît des moments sur le côté en mode. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça, mon gars? Laissez-moi sortir du level. Laissez-moi sortir. Et voilà, un niveau terminé. Pas mal. Pff, alors, les notes, je cherche même plus à comprendre. Hein. On a que des C depuis un petit moment. C'est pas grave. C'est pas le plus important, les notes. Je dis ça parce que j'ai une mauvaise note, surtout. J'aurais une bonne note, j'irais. Ouais, je suis comme plutôt fort, ouais, comme mec, ouais, en effet. Ah! Je pensais pas que j'allais tomber, en fait. Hein? Ah merde, du coup, il a sonné l'alarme. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas compris. Donc, en fait, il fallait les tuer avant. Donc, il fallait passer par au-dessus. Ou alors, on pouvait peut-être pas les tuer avant. Oh là, il va y avoir un système d'alarme, donc on va devoir tuer des ennemis rapidement. La sécurité semble plus importante par ici. On se rapproche. Il vaudrait mieux les empêcher de déclencher les alarmes. Je sais plus si c'est cette voix que je faisais à notre ami Pedro. Ah, là, il va déclencher l'alarme. Non. Je suis désolé. Je vais casser la gueule. Il n'aurait pas dû déclencher l'alarme, là. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Je suis tombé malade il y a quelques jours. Ah, mon Dieu. Surtout que les ennemis qu'on tue là, c'est pas des ennemis. Oh là là, mon Dieu. Alors attendez, là je fais n'importe quoi. Je suis désolé. Ouais, donc les ennemis qu'on tue sont pas obligatoires dans le score en fait. Oh mais merde, sérieusement. Allez. C'est bon, il est mort. Non. Et bon, ils sont morts. Donc là, ils allaient activer. Ouais, d'accord. Donc c'est pas des ennemis, ils allaient activer la tourelle. Ok, l'alarme est au milieu. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ah, petite esquive. Tiens. On va le finir au corps à corps, yes. On va essayer à chaque fois de les empêcher d'activer l'alarme. Parce que c'est drôle. Toi, t'es mort. Non. Oh merde, c'est pas grave, on se cache. Pas de problème, je suis caché. Allez, on va essayer de la... Oh là, je vais juste me faire dégommer en fait. Faut pas que je me monte comme ça. Oh mon Dieu. C'est bon. Allez, elle est très lente en fait, la tourelle, pour se tourner. Du coup, on arrive facilement à la détruire parce que... Bah, elle est pas plus rapide que nous. Donc y a pas trop de difficulté. Ok, donc là, je dois les tuer ici. Non mais c'est n'importe quoi, c'est impossible. Ou alors là... Ah d'accord, ok, il y a ça. Ok, ah, je me disais sinon c'est un peu trop compliqué. C'est bon. Oh, c'est sympa, ça change des autres levels. À chaque fois il y a un nouveau... Je sais pas si on peut appeler ça un nouveau type de gameplay, mais il y a du... Si c'est ça, il y a un peu de... Le gameplay s'étoffe en fait au fur et à mesure des levels. Et il garde tout en fait. Du coup à chaque fois les levels deviennent de plus en plus intéressants. Là par exemple, regardez, on a les câbles, ensuite on a les tirs qui rebondissent sur les plaques de métal. Là maintenant on a les alarmes. Donc les niveaux deviennent de plus en plus intéressants.
au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est très cool. Non, non, tu n'auras pas l'alarme. Bah attendez, eux par contre. Oh putain, on a réussi à les tuer. Oh mon dieu, attendez. Comment je vais l'avoir lui par contre? Bah il bouge pas, il veut pas activer l'alarme lui en fait. Ils sont pas les couilles de l'alarme. Très bien. Il préfère combattre tout seul. Qu'est-ce que je dois faire là? Là je dois tomber, ok. Allez, on peut. J'ai cassé la vitre avec un coup de pied. C'était pas prévu mais ça fonctionne. Je pensais que ça allait pas fonctionner. Mais c'est bon. Bah qu'est-ce qu'il fait lui, regardez. Je vais lui jeter ça dans la gueule. Attendez, hop. Tiens. Je te tiens. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une. Aura une, je ne sais plus. Merci. On avait déjà la santé au max. Salut. Non. Oh merde, l'alarme. Eh ben merde, on avait réussi. Oh, j'ai plus de munitions en plus, donc on va prendre le double Uzi. Ah là là. Alors là, je vais peut-être mourir. Oh mon dieu. Ah oui, donc là en fait, si ils activent l'alarme, c'est mort. Oh my god. Oh, petite danse. Oh, petite danse. Donc là, il faut absolument pas qu'ils activent l'alarme, sinon c'est mort. On va prendre le double Uzi. Et là, on va juste dégommer tout le monde en fait. Oh, il a activé l'alarme encore. Oh là 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 là. Allez, allez. Allez, allez. C'est compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire. Allez, lui, on le détruit. Allez. Voilà. Et l'autre. C'est bon. Ouf. Merci, hein. Là, sans les deux Uzi, je pense que j'aurais pas réussi avec le fusil à pompe. Ah, c'était la fin aussi, voilà. Pour ça. Ils ont mis quelque chose d'un peu plus compliqué. Pour la fin. Très bien. Allez, continue. Donc on va bientôt combattre le Père Noël, je pense qu'on y arrive. On sera certainement dans ce level. Ah bah voilà, tiens, parlons du Père Noël, nous y sommes. Il est là. Ah, regarde, voilà Denis. On va enfin découvrir qui a cette prime sur ta tête. Ah non, il m'a retrouvé. Ah. Ah d'accord, ok. Oh bizarre, oh. Cours. Oh, sympa comme boss. Bon, la table ne se casse même pas, hein. Je sais pas pourquoi. Ok, par contre, ok, donc faut le savoir. Là, il va tirer. En fait, faut calculer le nombre de secondes. 1, 2, 3, 4. Ok, donc faut compter jusqu'à 4 et ensuite se cacher. 1, 2, 3, 4. Un peu moins. Zadon, c'est pas comme ça qu'il faut le tuer, hein. Ah non, mais c'est pas comme ça, je fais n'importe quoi en fait. Attendez, il prend pas de dégâts en fait là. Oh, je dis de la merde, il prend pas de dégâts. Oh là là, depuis tout à l'heure, je lui tire dessus. Oh, je suis tellement nul. Oh là, non, mais on va prendre super cher. Quoi, ce level de. Faut se cacher. Oh mon dieu. Oh merde. C'est bon, c'est bon. Ok. En fait, faut juste attendre à chaque fois. On y va. Ok, attention, on est caché, parfait. Oh merde, merde, merde. Allez, go, on passe. Lui, on va l'exploser. On attend. Allez, go. Ah, moi, j'ai tiré dessus comme un débile. J'ai trop l'air con, du coup. Faut que je refasse des esquives, hein. J'ai plus assez d'esquives. Ah, il est derrière. Voilà, il peut pas nous avoir, je crois. Petite esquive. Yes, ça passe bien. Allez. Putain, on arrive même pas à l'avoir. Non mais je le tue là en fait. C'est bon. Ok, il revient. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Non non non, il faut que je reprenne le skate par contre. C'est hyper important je pense là sur ce level. Oh merde. Oh merde, oh merde. Allez, go. Go. Oh mais à chaque fois je perds le skate. Pas facile de garder le skate en dessous les pieds. Bon là il est vraiment perdu, hein. Là je pourrais pas le récupérer. C'est tout à fait normal. Yes. Ah, j'aurais pas dû y aller maintenant. Mais ça va. On esquive tranquillement.
Oh, il est vraiment cool, hein, le boss. Il met la pression, quoi. On peut mourir vraiment à tout moment. Et genre là, je suis mort bêtement. C'est pas grave, on recommence. Ça va, aller. Il y a beaucoup de checkpoints dans le jeu, donc c'est pas du tout rageant de mourir. Par contre, il va falloir y aller. Allez, lâche ce truc. Oh non, je vais faire comme tout à l'heure. Oh là 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 là, je fais exactement la même chose, je suis désolé, c'est ridicule de mourir deux fois de la même façon. Il faut aller où là? Oh merde. Voilà, il faut aller où? Ah, donc là c'est le boss. Ah oui, donc là c'est le boss. Ah, il faut tirer dans les... Oh là là, mais c'est chaud. J'ai rien pour me cacher. Mais en plus, attendez, faut tirer dedans du coup. Oh mon dieu, en fait il faut toujours esquiver, quoi. Mais il est chiant. Mais attendez. Mais en fait quand je vais en bas, il va en bas, et quand je vais en haut, il va en haut. Du coup il m'empêche de tirer dessus. Alors je comprends pas trop là. Mais en fait faut être plus rapide que lui, quoi. En gros c'est ça. Alors le ralenti est hyper important. Là il est en train de remonter forcément. Non là je peux. Et ouais il remonte direct, hein. En fait faut juste attendre, voilà, quand il tire il se déplace beaucoup plus lentement. En plus c'est à ce moment là. Bah non mais c'est chaud. Oh là là, ça m'a l'air d'être hyper compliqué en vrai. C'est hyper chaud. Ou alors c'est moi qui est nul, ce qui est possible aussi. Oh là là, je suis mauvais. Bon, j'ai plus de vie, hein. Je vais certainement mourir. Allez, j'essaie d'esquiver. Oh là là, c'est ridicule. Oh mon dieu, allez. On va attendre que ma vie remonte. On esquive. En fait, faut spammer les esquives, mais... Ok, là on active le ralenti. C'est le moment. Allez, on tire en bas. Ah mais il faut se rapprocher en fait, on est obligé. J'ai plus de vie, je vais mourir. Il est chaud, il est vraiment chaud le boss, je trouve. Faut en profiter au début pour bien le bourrer. Et après, quand on est trop loin, ça marche pas non plus. Ok, là on se met bien, là on se met très bien. Voilà. On va faire pareil. En fait c'est... Ah mais quand on a plus de ralenti c'est chaud. C'est le ralenti qui nous aide tellement. On va attendre qu'il remonte. Ok, je vais faire que ça. Esquiver, en haut, en bas, en attendant que le ralenti. Voilà. J'en ai récupéré. On va aller là-bas. Allez. Non, quand on est en haut, il peut pas nous... Ah, mais je viens de comprendre. Ok, je viens de comprendre, c'est bon. Bon, là, je vais mourir, certainement, mais j'ai compris. Excusez-moi. J'ai compris. Il faut tirer d'en haut, ça marche mieux, parce que quand il est en bas, il arrive pas à nous toucher. Donc là on se met là. On attend qu'il nous tire dessus. Là forcément il fait chier. En fait ça dépend, il tire où il veut, hein. Oh le boss de l'enfer. Oh là là, le boss de l'enfer. Ah non mais là il remonte. Il est horrible. Ok.
Allez, là on en profite. Mais en fait il remonte rapidement. Hein. Non là c'est bon. Là on refait pareil. Oh tu mourras pas, tu mourras pas. Ok, là on refait pareil. Non 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 je veux sauter. On va l'avoir, on va l'avoir. Allez encore une dernière fois. Allez. Et ben enfin. Voilà. Donc il y avait une petite technique comme ça à faire. Mais qu'il fallait comprendre. Arrête mec, laisse-moi tranquille. Non. Non mais. Toujours plus hein. Laisse pas s'enfuir. Oh c'est pas terminé. Vite saute. Ouais. C'est terminé pour ce niveau. Donc je pense que là on a terminé un monde complet. Donc il est pas mort. Ou peut-être que si, j'en sais rien. Donc je sais pas si on va encore le combattre dans les autres levels. Et ben un boss pas si con. Oh putain, sérieusement. Donc c'est pas terminé. Excellent, donc une phase un peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître. Comme finalement la phase en moto qu'on a eu avec l'autre boss. Oh merde, j'ai plus de... Ah ouais, non mais là j'ai plus de munitions. Le fusil à pompe, est-ce qu'il peut marcher ici? On peut tester le fusil à pompe. Oh, j'ai perdu trop de vie hein, bêtement. J'espère que ça va le faire. On peut esquiver bien entendu. Oh ça va, j'ai récupéré ma vie. On peut se cacher aussi derrière les objets qui peuvent nous aider. Et on peut carrément se déplacer en fait. Ah et donc là il n'y a plus aucune logique hein. Faut pas chercher à comprendre hein. La physique. Voilà fuck Newton. Enfin pas fuck Newton puisqu'il y a encore la gravité. Mais voilà, on se déplace dans les airs hein. Après c'est... J'ai envie de dire, dans les jeux vidéo, on a l'habitude de voir ça, hein. Des personnages qui sautent et qui peuvent se déplacer. En même temps. Oula, il y a la poêle, là. Ok, on peut utiliser la poêle. Oh là, mon dieu. Allez, on utilise la poêle. Yes. Faut que je récupère de la vie. J'ai récupéré un peu de vie. C'est pas facile, hein, parce que j'ai quand même perdu pas mal de vie. Attends. Arrête, tire pas. Je suis juste le messager, mec. C'est ma sœur Ophélia, cette obsédée du pouvoir qui tire les ficelles. Depuis qu'elle est devenue la dictatrice de l'internet, elle ne sort plus du site du serveur central. Elle a la rage que t'aies tué Mythe le boucher, notre bon à rien de père. Ah, c'était leur père, d'accord. Il n'y a que ce qu'il méritait à mes yeux. Ophélia a déclaré que tu devais crever, mais qui que tu sois, une seconde, tu serais pas. Non. Ah. Aïe, ça doit faire mal. D'ailleurs, le sol se rapproche dangereusement. Prêt pour le grand plongeon? Et on sait pas du tout comment j'ai fait hein, pour atterrir. On a la coupure. D'accord, donc Ophélia, sa sœur, qu'on va devoir aller buter. On a un nouveau méchant du coup. Fallait se douter que c'était pas le grand méchant de toute façon parce que le jeu n'est pas terminé. Donc voilà. Ah, je vais tomber dans l'eau. Yes. Alors même en tombant dans l'eau, logiquement, tu es mort. Hein. Tu fais un bon plat. Respire. Tout va bien. Tu as travaillé dur. On a tous droit à une pause de temps en temps. Ah ! C'est quoi cette horreur ? J'aurais mis de l'ordre si j'avais su que t'allais venir. Oh, c'est les mondes de Pedro ! Du coup, on aura quelques levels dans le monde de Pedro. On l'avait vu dans la liste des levels quand on avait regardé dans l'épisode précédent. Par là, il y a tant à voir. Fais pas attention au sol. Il se comporte étrangement depuis que j'ai redécoré les lieux. Oh, c'est un peu chelou. On a un personnage derrière qui nous regarde. Très bien, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo sur My Friend Pedro. J'espère que ça vous a plu. Nous avons combattu le Père Noël hein, et nous avons un nouvel ennemi, hein, sa sœur Ophélia. Et donc la prochaine fois, on va s'attaquer à des mondes un peu plus what the fuck, hein, voilà, la drogue. Bah ça peut être drôle en vrai. Hein. Ça peut être drôle de voir un peu ce que ça donne. Je me demande bien si quels sont les ennemis dans ce monde du coup, puisqu'on est dans un monde imaginaire. Je sens qu'on va être sur un total délire là. Voilà. Merci à tous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à les petits pouces bleus comme d'habitude, les partages, également les commentaires. Merci beaucoup, portez-vous bien, salut.